Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi 29 mars 2010. Alors à quelques jours de Pâques et des heures passées à chercher les œufs, je voulais revenir sur les questions de pédophilie au moment où un curé de l'Aube est inquiété pour des pratiques pas très catholiques, comme dirait Georges Frêche. Pâques reste malgré tout ma fête préférée puisque justement Pâques marque l'arrêt des activités pédophiles des curés. En effet, comme tout le monde le sait, pour Pâques, les cathos sortent du jeûne. Il était temps qu'on parle un peu de la France, après toute cette pub faite à l'église irlandaise, américaine, allemande. À force, on aurait pu croire qu'en France, la pédophilie avait disparu ou était devenue complètement laïque. Depuis la séparation de l'église et de l'État, il y a en effet deux traditions en France, deux branches, deux membres, plus ou moins forts, dans cette grande famille pédophile. Alors, comment faire au niveau de l'info? Faire comme pendant des lustres? Ne pas parler d'actes tristement habituels ou faire moins de bruit sur des dérives aujourd'hui plus exceptionnelles? En posant la question, je connais la réponse, puisque jamais une violence subie ne doit être passée sous silence. Et que chaque éducateur qui fait comprendre le message aux enfants que leur corps leur appartient pleinement doit dire et encourager à parler, sans bien sûr avoir peur que le moindre contact corporel soit mal interprété. La vigilance doit s'exercer dans les deux sens, sinon la chaleur humaine ne pourra être autorisée qu'à 3,50 m d'un enfant. Alors les curés et les enfants, une longue histoire. À titre personnel, j'ai beaucoup fréquenté dans ma jeunesse les prêtres, enfants de cœur, pendant 4 ans, lecteurs après ma communion. Et même si je me suis souvent et beaucoup moqué des religieux pervers, je n'en ai jamais rencontré. Mais on ne voit pas toujours ce qui se passe derrière soi. Et puis, même si on est informé et prévenu, quand on va de l'avant, on ne peut pas toujours serrer les fesses. Désolé pour les cathos qui me regardent, mais bon, je me défoule avec les cathos parce qu'avec les autres religions, c'est plus dangereux. Courageux, mais pas téméraire. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui encouragent le mariage des prêtres, au moins ceux qui aiment énormément les enfants, bah, ils les feraient eux-mêmes, et donc s'occuperaient des leurs. Dans ce cas, c'est un autre problème, et là, ça devient une question familiale. Alors, pour les cathos qui avancent, sans faire semblant de reculer, j'agiterai ma branche de rameau anticlérical pour leur dire, et encore, bravo. Et puis pour le reste, bah, vous savez où ça se passe, le DVD, il en reste, sur humoretchanson.fr, vous pouvez l'obtenir sans difficulté. À très bientôt, merci.